chez vous. Hello, oui, malamou. En tout cas, bolamonka, wake up, réveillez-vous, c'est votre tranche matinale. Il est l'heure pour vous de vous informer, de vous former et de vous divertir. Alors, je ne serai pas seule sur ces plateaux. Je suis accompagnée d'une très belle dame que vous avez l'habitude de voir. Alors, nous allons clôturer. Nous tendons déjà vers la fin de ce mois de mars, qui est dédié d'ailleurs aux droits de la femme. Et pour ce matin, je serai accompagnée d'une belle dame pour clôturer petit à petit ce mois de mars. Bonjour Damani Munjinga. Bonjour à vous Maryse Boleli, pardon. Bonjour à tous ceux qui nous suivent ce matin. Vous allez bien? Je vais très bien et je l'espère aussi pour vous. Oui, ça va toujours, ça va toujours bien. Et nous espérons aussi que ceux qui suivent Wake Up ce matin vont très bien. Et nous sommes là pendant 2 heures avec vous pour vous informer, comme je l'ai dit au début, vous former et vous divertir au travers de nos nombreuses rubriques. Alors, sans plus tarder, nous allons quand même annoncer, il s'agit de quoi ces rubriques? Nous appelons, nous avons l'habitude de le dire, notre menu du jour. Alors, Damani Munjinga, pour ce matin, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces menus? Eh bien, il y aura beaucoup de plats dans ce menu, mais je pense que chacun va choisir le plat qui va lui plaire pour pouvoir bien le consommer, bien le manger. Au menu de ce matin, nous allons commencer par notre chanson chrétienne, bien évidemment. On reconnaît la grandeur de Dieu dans notre vie. Oui. Alors, c'est une occasion pour nous, à travers cette tranche matinale, de remercier le Seigneur chaque matin au travers de cette chanson chrétienne. Après cela, nous avons notre vidéo de motivation. Être oui. motivé, c'est toujours important, surtout que c'est le matin, les esprits sont encore bien frais. Mm-hmm. Alors, entendre toujours des belles paroles, des bonnes paroles, ça peut toujours vous motiver, parce que si vous arrivez peut-être à midi, vous aurez déjà eu beaucoup de problèmes, accumulé beaucoup de choses. Oui. Mais lorsque vous sortez fraîchement de votre lit, vous êtes encore à la maison et tout. Donc, si vous entendez déjà des paroles qui vont donner la force, ça va vous motiver vraiment d'aller de l'avant. Nous avons aussi notre phrase du jour qui nous donne quelques leçons de morale par rapport à la vie, comment nous conduire, comment voir la vie en fait. Après cela, nous aurons notre rubrique World Day, donc journée mondiale ou éphéméride du jour. Éphéméride veut simplement dire les grands événements qui ont eu à marquer l'histoire du monde, l'histoire d'un continent, d'un pays, pourquoi pas. Donc voilà pourquoi on dit éphéméride. Après la rubrique World Day, nous aurons bien évidemment la rubrique santé. La santé n'a pas de prix, Maryse Boleli. Pas du tout. Voilà, nous aurons notre rubrique santé qui sera là pour nous donner quelques astuces sur certains produits que nous connaissons certainement. Alors, nous avons aussi notre grande thématique, Maryse Boleli. Oui. Vous l'avez annoncé, c'est la fin du mois de la femme. Alors, nous avons choisi une thématique qui parle spécialement de la femme. On parle aujourd'hui sur ce plateau, on parlera, parce que c'est dans les prochaines minutes, on parlera de la maternité ici en République démocratique du Congo, les coûts et les difficultés. Donc, on va savoir combien coûte la maternité ici dans notre pays et quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer ces femmes qui vont accoucher, ces femmes qui donnent la vie. Je rappelle que le numéro qui est affiché sur le bas de votre écran, il n'est pas là pour décorer, non, c'est pas une décoration, c'est pas pour embellir l'écran, non, c'est pour que vous appeliez et envoyez vos messages à ce numéro. Vous avez peut-être besoin d'entendre une chanson qui vous plaît, que pour vous mettre dans la bonne humeur, dans l'ambiance, dans la bonne ambiance ce matin. Vous devez penser à quelqu'un. Voilà, pour penser à quelqu'un, pourquoi pas. Appelez ce numéro ou écrivez un message avec le titre de la chanson. Mm-hmm. On va voir dans la mesure du possible pour pouvoir vous la balancer, pour que cela vous fasse du bien. Je rappelle que c'est les 091-0072-088. Donc, écrivez-nous, appelez. Nous sommes
ouvert à toutes sortes d'interactions. Pourquoi pas des suggestions, Maryse Boulélie? Pourquoi pas? Nous sommes là. Nous sommes là pour vous écouter. Nous sommes là pour vous. Oui. Si nous sommes là, c'est grâce à vous. Oui. Et vous avez oublié quelque chose? Pas du tout, j'ai pas oublié. Je voulais juste que vous mettiez un petit commentaire par rapport à cela. D'accord. Voilà une rubrique que vous aimez tous ici dans Wake Up, ici dans Géopolis Télévision. Il s'agit de la rubrique Géopolis B-Day, Buff Day anniversaire. En parlant d'anniversaire, on sent la joie. C'est toujours un honneur, pourquoi pas, une joie d'ajouter une année de plus dans sa vie. Alors, la tranche matinale Wake Up vous offre l'occasion d'envoyer vos photos et votre nom sur le numéro qui est affiché sur le bas de vos postes téléviseurs. Et vous verrez ces photos à la fin de l'émission défiler. Donc, c'est notre façon à nous de vous souhaiter un heureux anniversaire en ce jour. Voilà. Et il y a ceux aussi qui nous envoient souvent les photos. Mais on se pose la question, mais comment ça se fait qu'on essaie de voir le décor, on se dit que telle personne, elle est en dehors du pays. Mais comment ça se fait qu'on arrive à souhaiter à ceux qui sont en dehors du pays des heureux anniversaires? Mais c'est simple, il y a une application. Alors, il s'agit de TNF-RDC. Téléchargez l'application, vous pouvez nous suivre partout où vous serez. Donc même si en vous direct, êtes dans votre... En direct en plus. Donc même si vous êtes dans votre voiture, vous êtes dans votre bureau, vous n'êtes pas à la maison, vous dites par exemple que où je suis, il n'y a pas de télévision. Mais aujourd'hui, grâce à la technologie, il est possible de nous suivre partout. Il est possible d'avoir son téléphone portable et de suivre Damani Mujinga, pourquoi pas, et de suivre Maryse Boulélie, pourquoi pas, de suivre la tranche matinale Wake Up. Donc, téléchargez l'application partout où vous êtes. C'est à partir de l'application Play Store. Vous allez dans Play Store, vous tapez TNF-RDC. Une fois que vous allez télécharger l'application, c'est vrai que parfois, on n'arrive pas à se retrouver. Mais comment est-ce qu'on va faire? Il y a la barre de recherche qui est juste au-dessus. Il suffit de taper Géopolis Télévision et vous verrez la chaîne apparaître et vous pouvez nous suivre partout. Alors, nous allons suivre... Je rappelle aussi d'ailleurs, Maryse Boulélie, toujours dans cet ordre d'idées, nous sommes aussi sur YouTube. Oui. Vous avez peut-être manqué un numéro où vous voulez revoir les numéros précédents de différentes émissions de Géopolis, parce qu'il n'y a pas que Wake Up, il y a plusieurs autres émissions qui passent ici à l'antenne. Vous voulez revoir une émission, abonnez-vous à notre page YouTube, à notre page Facebook pour revoir les différentes émissions qui se font ici dans notre chaîne. Donc voilà. Téléchargez, abonnez-vous. Comme il y a l'un des TikTokers qui a l'habitude de dire s'abonnez-vous. Oui. Ça se dit pas, mais... c'est allez plus drôle. En les disant comme ça, c'est plus drôle. Allez s'abonnez-vous en tout cas. S'abonnez-vous, non. Abonnez-vous. Nous sommes là pour former et informer. Alors, il faut bien parler, il faut dire ce qui doit se dire. Alors, allez, abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Ça vous permettra d'avoir de vidéos, de notifications, de nouvelles vidéos. Alors, nous allons faire place à la chanson chrétienne pour louer Dieu, glorifier Dieu. C'est un honneur, c'est un plaisir d'être en vie ce matin. Louons Dieu ensemble. Tambonge mpe ope bekuya Elongo toko mata ikolo Poyo zamoko dia opepe Nabangate na yemi Atako pasi eko umela na bomo inangai na bangate Atako bako chulangai eswe na tale la yo Na boi koiba ko salamabe po na yamba yo yesu
Nandimi nanga baseka babwa kisanga kasi natika la sembo liboso na yo Bongo ngayo yo mosala babenganye ayana salani Alobi nanga na pona entre zambe na mosala nga na poni yo Yesu Nandimi nazanga nyonso Nazala na yo mopesi na nyonso atambonge Zalina posa na kotanga kelasi nanya kosa lisanga Gako baboti makokite na luka oncle tantine nanya kosa lisanga Balobi nanga na kokipe kosa la lokola basusu eye bona réussir na vie Kasi na boyi kote kanzote Bona yamba yo Yesu Na boy nanga ko cede na université o na ndimi ko talela yo Nga yo yo libota e benganye ya na salani Balobi nanga na lekeli tango Bona ndimi ko talela yo Atango yeye Kwakisi na bangate Atako entourage nanga ekotika ngalelo na bangate Atako bakose kanga ye Atako bakocholanga Atako ba pesinga ba kombo nyonso balingi nga ye 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 Atako ba benginga mama mela milange Atako na zangi bisika ya koti ya moto nga yo 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 Atalelo na bambili papa nzambe na nga yo
ozali boso sima mopandi yoko tambwisa ngai na yebi loza. Nabangate naebi que oza. Alors nabangate, peut-être pour ceux qui ne comprennent pas les lingala, ça veut simplement dire je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, pourquoi? Parce que je sais que Dieu est là. Je n'ai pas peur parce que je sais que Dieu est à mes côtés, peu importe ce que je traverse, que ce soit les tempêtes, que ce soit le moment de joie, que ce soit le moment de peine, je n'aurai vraiment pas peur parce que je sais que Dieu est avec moi. Cette chanson a fait vraiment du bien à Damani Mujinga, c'est d'ailleurs l'une de ses chansons préférées, je l'ai vraiment vue emporter, mais j'espère aussi que cette chanson vous a énormément fait du bien et vous a rappelé combien est-ce que Dieu vous aime, vous a rappelé que peu importe ce que vous traversez, Dieu est là et il sera toujours là. Alors Damani Mujinga. Voilà, vous l'aviez dit, Maryse Bouleli, c'est une chanson que j'aime beaucoup parce que personnellement elle me parle beaucoup, parce que vous l'avez dit d'ailleurs, oui, que Dieu est toujours là, peu importe les moments difficiles de la vie, les circonstances, les hauts et les bas, oui, Dieu est toujours là, alors on n'a pas peur du lendemain, on ne s'inquiète pas de ce que sera fait demain, on croit et on sait que Dieu est là pour nous. Voilà, Maryse Bouleli. Croyez-vous aussi à la maison, Dieu est toujours là, il ne délaisse jamais. Exactement. Soyez dans la joie, peu importe ce que vous traversez, gardez toujours ce mental-là positif. Alors là, nous allons continuer cette tranche matinale avec la rubrique vidéo de motivation. Un type a dit que si tu ne veux pas prendre de risques, tu ne peux pas grandir. Et si vous ne pouvez pas grandir, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même. Et si vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même, vous ne pouvez pas être heureux. Et si tu ne peux pas être heureux, alors qui y a-t-il d'autre? Je suis fatigué de moi-même. Lorsque vous dites que j'en ai marre d'être malade et fatigué, c'est ce qui facilite le changement. C'est à ce moment-là que vous êtes prêt à dire ces mots. Plus d'excuses. Plus d'excuses. Je n'ai jamais rencontré de personne qui ait réussi et qui n'ait pas fait preuve d'une grande autodiscipline dans sa vie. L'autodiscipline, la capacité à être performant, à tenir ses engagements et ses promesses et à respecter les délais sont essentielles à la réussite. Aucun d'entre nous ne peut se permettre d'avoir une vie qui est contrôlée par quelqu'un d'autre ou une vie qui est essentiellement contrôlée par nos émotions. J'ai appris il y a de nombreuses années qu'il y a deux sortes de personnes. Il y a le type de personne qui dit « je vais attendre, j'en ai envie avant de le faire ». Et puis, il y a une autre personne qui dit « je dois le faire pour en avoir envie ». Et on n'arrivera jamais à rien faire, parce qu'on attend toujours de sentir le moment de bouger. Et l'autre personne dit « non, j'ai besoin de bouger, et je commencerai à ressentir le moment présent ». L'autodiscipline est essentielle dans votre vie, et dans la mienne. Si on veut que les choses se fassent, j'ai donc un défi à relever pour chacun d'entre vous. Le défi est simple. Quand vous passez le week-end, parfois c'est un moment un peu plus facile que la semaine, demandez-vous, est-ce que je pratique l'autodiscipline dans ma vie? Est-ce que je fais des choses que je devrais faire parce que j'ai besoin de les faire? Ou est-ce que j'attends de ressentir ce moment? Si vous ne connaissez pas cette citation, mettez-la en pratique. Il n'y a pas de maîtrise plus petite ou plus grande que la maîtrise de soi. C'est Da Vinci. Da Vinci a fait des choses étonnantes dans sa vie. Je voulais faire des choses tout aussi étonnantes avec la mienne. Et si c'est le jeu auquel nous jouons, si je peux construire mon système de croyance, si je peux choisir à tout moment et croire quelque chose de plus puissant que ce que je croyais l'instant d'avant, cela va se retrouver dans mes actions, me permettre de faire des choses que je ne pouvais pas faire avant. Vous savez, c'est comme ce moment dans Matrix, où Neo réalise qu'il connaît le Kung Fu,
Et aussi drôle que ce soit, c'est comme ça que je vois la vie. Pour moi, c'est le but fondamental de la vie. Il s'agit de découvrir combien de compétences utiles je peux acquérir, puis de mettre cette utilité à l'épreuve, au service de quelque chose de plus grand que moi. Arrêtez de vous comparer aux autres. La première chose à faire est d'arrêter de se concentrer sur les autres. Au lieu de ça, concentrez-vous sur le fait d'être la meilleure version de vous-même. Vous reconnaîtrez alors que vous méritez de vous asseoir à la grande table, avec tous les autres, après être devenu le meilleur que vous puissiez être. Une fois que vous avez accepté que vous avez autant le droit de réussir que n'importe qui d'autre, l'étape suivante consiste à apprendre à parler. Vous devez parler couramment la langue du succès, afin de la parler avec aisance. Entourez-vous de personnes qui ont réalisé leurs rêves et plongez dans la culture de la réussite. La situation idéale pour un homme ou une femme qui meurt est d'avoir des membres de sa famille qui prient avec lui au moment de sa traversée. Mais imaginez, vous êtes sur votre lit de mort et que vous vous tenez autour de votre lit. Le fantôme des rêves est là avec des idées, des capacités, des talents que la vie vous a donnés. Et vous, pour une raison quelconque, vous n'avez jamais poursuivi ce rêve. Vous n'avez jamais donné suite à ces idées. Vous n'utilisez jamais ces talents. Jamais vous n'utilisez ces dons. Et ils sont là, debout autour de votre lit. Et ils vous regardent avec de grands yeux furieux, disant « Nous sommes venus à toi, et toi seul aurais pu nous donner la vie, et maintenant, on doit mourir avec toi pour toujours. » Et la question est, si tu meurs aujourd'hui, quels rêves, quelles idées, quels talents, quels livres, quelle musique, quel leadership, quelle voix vont mourir avec toi aujourd'hui? Miles Monroe, grand orateur et conférencier, a dit que l'endroit le plus riche de la planète, ce n'est pas en Extrême-Orient, où il y a le pétrole dans le sol, ni en Afrique du Sud, avec les mines de diamants, l'endroit le plus riche de la planète est le cimetière. Car c'est là qu'on trouve la grandeur que l'on n'a jamais vue. C'est là qu'on trouve le talent, le génie et le potentiel qui n'a jamais servi. Il y a aussi cette citation qui dit « Atteindre le point de la mort seulement pour réaliser que vous n'avez jamais vécu ». C'est peut-être pour ça qu'il faut vivre sa vie. Je veux que vous preniez quelques notes et que vous réfléchissiez à vos objectifs et à vos rêves dans les trois catégories suivantes. Personnel, professionnel et contribution sociale. Combien d'entre vous prennent au sérieux leurs objectifs et leurs rêves? Combien d'entre vous ne veulent pas emporter leurs rêves dans leur tombe? Serrez la main de quelqu'un à votre droite et à votre gauche. Regardez-le dans les yeux et dites-lui, sors de ta tête et entre dans ta grandeur. Faites-le maintenant. Ne procrastinez pas. Il y a un proverbe qui dit que s'il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur, l'ennemi à l'extérieur ne peut pas nous faire de mal. Et donc, en regardant vos objectifs et vos rêves chaque jour, nous devons nous convaincre que nous pouvons réaliser cela. Il est possible que chaque séminaire, chaque atelier, chaque livre que j'ai lu, chaque orateur que j'ai entendu ait interrompu ce que je croyais à mon sujet. Tout ce que vous faites compte dans votre vie quotidienne. Je sais maintenant que lorsque je regarde ma vie à 63 ans, tout compte, n'est-ce pas? Tout compte. La façon dont vous faites quelque chose est la façon dont vous faites tout. Et je réalise que les choix que je faisais étaient basés sur la façon dont je me voyais. Disons-le ensemble, c'est nécessaire, notez-le. C'est nécessaire si vous regardez vos objectifs et vos rêves. Il est nécessaire d'avoir une stratégie et un plan de match pour changer l'histoire que vous croyez sur vous-même. Et c'est un processus continu. Et nombreux sont ceux qui pensent que ce que nous faisons, ce que nous accomplissons, ce que nous produisons est le résultat de l'histoire que nous croyons sur nous-mêmes. Et donc, alors que je commençais à travailler sur moi-même, je me suis rendu compte que je sortais d'une histoire et que j'entrais dans une autre histoire.
en prenant conscience de certaines choses dont je n'ai pas conscience, et je continue à grandir. Toujours aujourd'hui, je suis toujours en développement. Mais je me rends compte qu'il faut travailler sur soi régulièrement, pour l'état d'esprit et l'endurance, parce que les choses vont arriver. Je crois que la raison pour laquelle la plupart des gens vont dans leur tombe avec leur talent, leur capacité et leur compétence en eux est due au fait qu'ils ne savaient pas qu'ils ne se connaissaient pas. Ou bien qu'ils pensaient le savoir. Je pensais me connaître et je ne me connaissais pas aussi bien que je le pensais. J'ai découvert que parfois les gens peuvent vous amener à un endroit en vous que vous ne pouvez pas atteindre par vous-même. L'autre raison est que j'avais peur de ne jamais avoir travaillé pour une grande entreprise, par exemple. Je voulais parler au nom des entreprises, mais j'avais peur. Je serais exposé parce que je n'avais pas fait d'études supérieures. Je me sentais inférieur parce que je n'avais pas fait d'études supérieures. J'ai laissé cette peur de l'échec m'arrêter. Et parce que je n'ai jamais eu d'expérience dans ce domaine, je supposais que je ne pouvais pas le faire. Je me paralysais en croyant la partie limitée de moi-même, au lieu de croire que j'avais quelque chose de spécial. Vous avez quelque chose de spécial, là, quelque chose que vous voulez faire, mais que vous ne savez pas comment le faire. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas apprendre. Vous n'avez pas besoin d'être génial pour compenser, mais vous devez commencer pour être génial. Ainsi, les personnes qui réaliseront leurs rêves prennent des risques. Ce sont des preneurs de risques. Et ils n'ont pas peur d'échouer. Ils n'ont pas peur de faire des erreurs. Ils sont prêts à prendre leur vie en main. Un type a dit que si tu ne veux pas prendre de risques, tu ne peux pas grandir. Et si vous ne pouvez pas grandir, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même. Et si vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même, vous ne pouvez pas être heureux. Et si tu ne peux pas être heureux, alors qui y a-t-il d'autre? Alors, pour atteindre le sommet, pour atteindre la réussite, vous devrez avoir la langue ou le langage courant du succès. Damani Mujinga, nous avions vu cette vidéo, elle était longue, oui, mais remplie de sagesse et remplie de richesse. Par rapport à la vidéo, qu'est-ce que vous pourriez rajouter ou essayer de faire un petit commentaire par rapport à ce que vous avez retenu? Oui, voilà, merci Maryse Boleli. Cette vidéo a parlé de beaucoup de choses, hein. Je pense que chacun va prendre la partie qu'il a marquée. Oui, comme vous l'avez dit au début, oui, chacun prend son plat, le plat qui lui plaît dans le menu. En fait, là, on est en train de parler du succès. On parle de ceux qui ont des rêves, mais oui, ne font rien pour réaliser ces rêves. Alors, on dit qu'on ne peut pas emporter nos rêves avec nous dans notre tombe, parce que dès que vous êtes mort, vous ne pouvez plus rien réaliser. Donc, dès votre vivant, vous devez faire des efforts, fournir beaucoup d'efforts, oui, pour pouvoir atteindre vos objectifs, pour pouvoir réaliser ce dont vous avez toujours rêvé. Parce que les rêves, ça se passe dans notre tête. Pour pouvoir le matérialiser, il faut passer à l'action et surtout dire toujours des bonnes choses à votre sujet. Ça aussi, je l'ai entendu, parce qu'il y a des gens qui ont souvent tendance à se minimiser, à se rabaisser, à se sentir impuissant, incapable de pouvoir faire quelque chose. Alors, c'est comme vous l'aviez dit, il faut couramment parler le langage du succès. Même lorsque ça ne marche pas, même lorsque ça semble être déséquilibré dans votre vie, parlez toujours le langage du succès et vous verrez que la vie serait plus belle que celle que vous pensez. Donc, pensez toujours positivement. Pensez toujours que vous irez de succès en succès. Dites de votre vie que vous allez réussir, que vous serez une grande personne, parce qu'on dit la parole est une puissance. Alors, dites toujours des bonnes choses. Il n'y a personne qui viendra dire des bonnes choses sur vous, à part vous-même, bien qu'on a nos parents qui nous bénissent. Oui. Mais on est tout d'abord garant de notre propre vie. Alors, il est de notre devoir de toujours croire en nous, de toujours dire des bonnes paroles, et en tout cas, vous verrez que ça va nous permettre d'avancer. Et n'oubliez surtout pas que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Oui. Donc, tout ce que vous déclarez,
cela arrivera. Ayez toujours des bonnes paroles, ayez toujours l'habitude de dire des bonnes choses sur vous. Vous pouvez vous réveiller un matin devant votre miroir, mais vous dites des bonnes choses. Oui. Par exemple, je suis une belle personne, je suis comme une vous, belle Marie, âme. Je pense que chaque matin, lorsque vous êtes devant votre miroir, vous dites « Waouh, quelle belle créature !» Quelle belle créature divine. Donc, il faut avoir l'habitude de le dire. Ça permettra à ce que vous ayez confiance en vous. Oui. Ça permettra à ce que vous ayez en fait ce mental dans le sens où on ne peut pas vous intimider. Mm-hmm. On ne peut pas vous rabaisser parce oui. que déjà vous-même, vous croyez en vous et vous arrivez à vous accepter tel que vous êtes. Oui. Donc, faites cela d'habitude, faites cela souvent. Vous vous réveillez le matin, vous pouvez même être dans un taxi. Moi, j'ai l'habitude de le faire, je suis même dans la voiture. Mais vous prenez votre téléphone, vous essayez de vous mirer un tout petit peu. Ah non, mais je suis une belle créature de Dieu. Peu importe ce que les gens peuvent dire, oui. je sais que je peux y arriver. Je sais que je suis une bonne personne. Alors, nous allons prendre cette chanson et faites aussi comme ceux qui ont fait la fois passée. Demandez les chansons, c'est comme vous voulez. Passez l'appel comme vous voulez. Il y a le numéro qui s'affiche sur le bas de votre écran. Alors ce numéro, il est là pour que vous puissiez demander aussi une chanson qui vous a peut-être fait penser à quelqu'un, une chanson que vous aimez. Alors vous pouvez envoyer le nom de la chanson, le titre disons, et le nom de la personne que vous êtes et d'où vous nous suivez aussi. Et nous pouvons aussi balancer la chanson pour vous. Et ce numéro, il est aussi là. Pour que vous puissiez interagir pendant la thématique. Je rappelle la thématique de ce matin, nous parlerons de l'accès des femmes à la maternité. Alors nous parlerons de coûts, de difficultés, c'est quelles rencontres, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors restez branchés et nous reviendrons sur ça après cette chanson. Libala ezali eloko ankani anja kombao. Oye kangami likolo e kangami pe na mabele Nanenga Toseke Nanenga Zion Robert ya Espérance Kolé Clarisse Kolé Ana Pipo Eme Boubebou Abali Tantine Kolé Esengote Esengote Abali Ngaï Abali Yote Mobali Ngaï Melodi na so yembe, la yona lo yembo, ezo senga seba ange, ne ba yemba yango, podima sua concentration, mana komeli yango, ezali na nivo yaba humente, Jukler Chouabelo, ezo senga seba ange, Arnold Allemand, Amelia Lola, Miss London, Cédric Emini Mbouya Yadema. Nanou magical, pour des massues en concentration, Nana Komeli Yango, Hilda, Ezalina Nivo Yaba, Humete, Ezo Senga Seba Ange, Zamba Revele Ngaï, Na Yemela, Bozali Mobalia, Libala, Chantelli Makadibu, Yoka Yango Malamo Yeme, Anel Kabafosette, Maradona Kadibu, Et Mateta Sofia, Tony le Prince, Natongi Lota Plena. Britannique Kassanda, Brice Wabelo, Genevieve Kitoko, LC Media, Méritier, Minim, Dichou Mananga. Sabrina Sampio, William Saïla, Paul. Juliette qui tingue la femme du patron
na mi pesa na yo lokola bébé na tangwa libele na sano ni tuse utanizi na nzambe yaka yaka eme na sina la ti alliance fini le fiançailles fini le clan des routières la figolo atala nenge libre à toi le chef du groupe héritier Fernando Staff Global Control Acoustique Isamatch. Maître Libouda et Dani Mwamba. Allégri à Makaya. Ibanda kilo kola lisano makamoyo ine bube bunangaye nilo la tisina lopete na mosabi lokumo mwasi libala na bosana na botama na famille ya babula ese mwe kota 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 susie kende kende kina ya didye duma wilika yembe ya Tony Vell ngatati kole na bali bube bu Ben Dolls de festival ya forme Betty Noëlla Kouimi, Modema et Christelle Mouata. Patrick et ma pauvre juge d'inscription. Soki Ozongi Mokesima. Okomona Redi Amisha Yembali Bala. Kofi Olomide Quadra Aloba. Désormais ou. Saint-Ish Kimpati Yamoto Towamama. Loulou Yolo, Mbala Kassanda JP Lumbala. Cédric et Kouzundisa. Ibala, Nabali Wou. Nabali Wou. Nabali, Nabali Moubeboué. Sakyal. C'était donc le métis noir, comme on a l'habitude de l'appeler. Là, faisons place à cette rubrique qui est là pour vous former et vous informer de ce qui s'est passé, des événements, des grands événements qui se sont déroulés dans le monde, dans le passé. Alors, nous allons faire place à la rubrique World Day. World Day, c'est une rubrique qui est là pour vous parler de journées internationales, pour vous parler de tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est déroulé dans le monde, dans un continent, dans un pays, dans un pays quelconque. Là, nous allons faire place à la rubrique World Day et nous allons découvrir de quoi il s'agit. Le 29 mars 1947, à Madagascar débute une insurrection anti-française. Cette insurrection a lieu de 1947 à 48 sur l'île, alors colonie française. Cette crise est aujourd'hui considérée après la crise indo-chinoise décembre 46 comme l'un des signes avant-coureurs de la décolonisation en Afrique francophone. Le soulèvement, ponctué du massacre de colons français et de malgaches non-indépendantistes, fut suivi d'une grande répression conduite par l'armée française qui fit plusieurs millions de morts. Le nombre de victimes fait encore débat parmi les historiens. Le chiffre de 11 à 100 000 morts fait de cet incident l'une des plus sombres pages de l'histoire coloniale française. Quid de l'origine de ces événements? L'insurrection éclate à la suite de réquisitions durant la Seconde Guerre mondiale. La lutte pour l'indépendance est active à travers le mouvement démocratique de la rénovation malgache et des sociétés secrètes de libération. À la fin de mars 1946, ce qui n'était qu'une sorte de jacquerie animée par des sociétés secrètes se transforme en une révolte contre l'ordre colonial. Les insurgés, initialement au nombre de 2000, voient rapidement leur effectif augmenter, rejoints par des paysans du sud de l'île. Ils sont bientôt 20 000 environ. Munis de sagaies, de couteaux et de haches, de talismans, de potions magiques concoctées par des sorciers, ils attaquent de nuit les maisons de Français. Quelques 35 000 colons habitent alors Madagascar. Les troupes coloniales mettent un an pour venir à bout de la guérilla. Des élus du MDRM, parti pourtant hostile à l'insurrection, député malgache à l'Assemblée nationale, Joseph Ravoa Anghi et Joseph Razeta, sont arrêtés, déchus de leur immunité parlementaire et condamnés à mort. Leur peine est commuée par la suite en prison à vie.
l'ordre colonial règne de nouveau à Madagascar. En janvier 51, François Mitterrand, alors ministre de la France d'outre-mer, indique dans un discours que l'avenir de Madagascar est indéfectiblement lié à la République française. Madagascar n'accède à l'indépendance qu'après la fin de la 4e République et la création de la communauté française en 1960. La sanglante insurrection est commémorée aujourd'hui chaque 29 mars à Madagascar depuis 1967 par un jour déclaré férié. Compris de quoi il s'agissait, et là il s'agit du pays qu'on appelle Madagascar. Alors je vais essayer de faire un petit résumé pour vous montrer où il se situe, mais qui sont ces gens, comment est-ce qu'on les appelle, leur monnaie, leur capitale. Alors prenez le stylo, comme j'ai l'habitude de dire, prenez un stylo et prenez un papier moi, pour voir aussi. Il y a Damani Mujinga qui a déjà son stylo. Faites comme moi, j'ai déjà mon stylo et mon papier, donc on attend que Max Bouleli puisse nous donner des détails par rapport au pays Madagascar. J'ai déjà mon stylo, hein. Faites comme moi. Et le papier, notez cela. Le papier cela. Aussi, il est déjà là, donc écrivez déjà, surtout les élèves, TENAFEP, examen d'état. TENASTOP, oui. Voilà, donc il faut déjà se préparer grâce à cette tranche matinale parce qu'on est là pour former aussi nos téléspectateurs qui nous suivent. Voilà. Alors, le Madagascar est une île immense et un pays situé au large de la côte sud est de l'Afrique. Donc, comprenez que c'est un pays africain, mais c'est une île. Souvent, quand vous voyez la carte d'Afrique, oui. Souvent on se demande, mais il y a une petite touche qu'on met juste à côté là, de quoi il s'agit? Alors, c'est ça, le Madagascar, c'est une île. Et je vais continuer. Il abrite de milliers d'espèces d'animaux endémiques, comme les lémuriens, ainsi que de forêts tropicales, des plages et des récifs. Donc, c'est ça pour le pays qu'on appelle Madagascar. Mais aussi, retenez que la capitale du Madagascar, c'est Antananarivo. 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 En tout cas, ça me rappelle, ça m'a compliqué. Oui, on avait un jeu qu'on faisait d'habitude. Tout le monde, oui. On faisait d'habitude quand on était petit, les jeux de pays. Mm-hmm. Alors, les jeux de pays consistaient à trouver les pays selon la lettre que vous allez choisir. Mm-hmm. Alors, ou les capitales de certains pays. Et quand il fallait écrire Antananarivo, c'était compliqué. Mais je veux quand même l'épeler pour vous aussi. Et vous pouvez aussi aller sur Internet, Google, pour pouvoir aussi voir un peu plus. Alors, ça s'écrit Antananarivo. Antananarivo. Donc, ça se trouve sur la colline d'Omboimanga, un ensemble de palais royaux et de cimetières, ainsi que l'avenue de Baoba. Et vous devez Marie retenir. Bouleli, dites-moi un peu. Voilà, on montre comment. Oui, c'est et ça. Marie Bouleli, dites-nous un peu comment on appelle les habitants du Madagascar. Parce que moi, j'aurais cru entendre quelqu'un dire les Madagascariens. Mais ça ne se dit pas. Je m'étais dit, bon, on va ensemble demander à Marie Bouleli ce matin comment oui. on appelle les habitants du Madagascar, parce que moi j'ai dit je sais pas, oui. Je préfère que la présentatrice de Wake Up de ce matin puisse le faire pour enrichir la culture générale de nos téléspectateurs. Alors vous ne pouvez jamais dire Madagascarien, ou je sais pas Madagascariote, ou encore Madagascarien, on ne sait pas, non, prenez le stylo et notez les habitants ou un habitant de Madagascar, oui. On l'appelle malgache. Ok. Le malgache, un malgache. Donc okay. M-A-L-G-A-C-H-E, le malgache. Okay. Et c'est une population qui est chrétienne en général, donc d'accord. Catholique, protestante, en grand nombre, donc monothéiste. Et c'est vrai qu'il y a certains, il y a aussi certaines religions, mais en général, c'est une population chrétienne. Donc, vous devriez retenir ça. Ne dites, voilà, vous voyez un peu comment est-ce que sont les malgaches. Oui.
Ne dites pas madagascarien, sinon on risquera de vous regarder d'une certaine manière devant les gens et vous risquerez peut-être d'avoir... On va vous regarder de travers, hein, on va dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Au moins, mais... vous avez retenu que oui. Les habitants du Madagascar, ce sont les Malgaches. Les Malgaches, et là, il y a la langue, il y a le français oui. Qui est parlé là. Oui. Et ils ont pas mal aussi de dialectes. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai suivi la mm-hmm. vidéo en disant que c'était une colonie française. Oui, oui. Donc c'est le français qui est parlé là. Mm-hmm. Hormis le français, c'est vrai qu'il y a pas mal de langues qui sont aussi parlées là. Mm-hmm. Raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle nous vous proposons toujours cette rubrique World Day. Cela vous permet aussi de connaître, d'avoir de connaissances sur plusieurs choses et sur plusieurs pays aussi, comme c'était le cas avec le Madagascar, et oui. Les Malgaches qui sont les habitants du Madagascar. Alors, il y a une personne qui a demandé une chanson. Mm-hmm. Je vais quand même lire le message de notre téléspectateur oui. Qui nous suit depuis. Voilà. Bonjour WICAP, bonjour Géopolis, toujours là avec vous, merci à vous. Il s'agit de Divine Matoka qui nous suit depuis Canriche. Canriche okay. Limba, Canriche. Alors, vous êtes nom... riche là-bas, il faut m'inviter aussi, je viendrai passer quelques jours, quelques semaines afin d'attirer aussi la richesse comme vous, vous êtes riche là-bas. Bonjour à vous, Divine Matoka. Divine ça? Matoka, voilà. Je crois que c'est une dame, on voit déjà le nom de Divine. Ce nom nous revient souvent, mm-hmm. Merci de nous suivre et de nous faire confiance. Et Divine Matoka demande une chanson à l'honneur de son fiancé. Okay. La chanson de Jay Melody, le titre Nakupenda. Okay. Nakupenda veut simplement dire je t'aime. C'est en swahili. Alors vivons l'amour. Voilà. L'amour est l'une des plus belles choses qui puissent exister ici au monde. Alors nous allons suivre la chanson juste après. Mais aujourd'hui nous parlerons de la femme. Oui, Maryse, vous dites. Nous parlerons de la femme parce que c'est le monde de la femme. Nous ne pouvons pas terminer ou finir ce mois sans pourtant parler de cet être cher. Mais avant d'entrer le vraiment... Le jardin de la vie, comme on le voilà. Dit. Je me rappelle, il y avait un texte quand on était à l'école, on disait que la femme, c'est le jardin de la vie. J'ai bloqué cette phrase dans ma tête, je me disais, waouh, quelle très belle phrase. En tout cas, vous qui suivez, il ne faut pas minimiser la femme, il faut respecter vos mamans à la maison. Et la femme de la place de la femme, ce n'est pas seulement dans pas la cuisine. Pas du tout, pas à la cuisine. Pas seulement à la cuisine. Elle pas peut seulement. Aussi avoir une place dans votre entreprise, oui. À l'université, oui. Partout. Alors, comme le président Félix Tshisekedi l'a dit, et mm-hmm. Le soutient d'ailleurs, il faut qu'il ait ça. Alors, l'égalité de sexe. Il faut aussi que cela soit votre partage, votre vie. Mm-hmm. Ne dénigrez pas. Parce que sans la femme, nous ne serons pas tels que nous sommes. Ouais. Sans la femme, vous ne serez pas là. Parce que c'est elle qui donne la vie. Mm-hmm. Mais à l'honneur de la femme, suivons cette chanson. Et nous reviendrons après pour pouvoir parler de la thématique de ce matin. Alors, je crois qu'on ouais. on est en train de régler un petit problème à la ouais. Régie. Nous étions en train de parler de la femme, qui est cet oui. Être cher. Mm-hmm. C'est la maman, c'est elle qui tient la maison. Exactement. Il y a même, pour les chrétiens, ceux qui sont chrétiens, en lisant la Bible, on le dit, c'est écrit que la femme sage, c'est celle qui bâtit la maison. La femme sage, la femme, c'est l'être qui tient, qui est le pilier même de la maison. Vous verrez même que quand vous êtes à la maison, quand maman est là, il y a toujours une certaine paix. Mm-hmm. On sent toujours que ça va. Même si on était avec... C'est vrai que papa aussi est là, mais quand on voit maman, on sait que... Il y a d'ailleurs une chanson qu'on avait l'habitude de chanter quand on était tout petit. Oui. Alors cette chanson... Quand on voyait maman entrer, maman est allée pour dire que quand maman est là, on n'a plus faim. Mm-hmm. Alors nous allons suivre cette chanson à l'honneur de la femme et pour le bien de toutes les mamans aussi qui nous suivent, de toutes ces femmes qui nous suivent aussi. Coucou chez vous et faites aussi comme Divine Matoka, envoyez vos messages et nous reviendrons juste après cette chanson pour la thématique de ce matin. X-Double-Six. Iwe giza baridi na upepo, iwe kuna mawingu na minyesho. Your body baby, yo.
kufanya nijisi special. Unanipa sababu ya uwepo kando yako we mtoto. My desire when you fade down me mauto nisijelewi. Oh my god, shidani nimekulea vizini, shidani baby uko moyoni. Wewe nakupenda, nakutaka wewe, wako sikiwezi. Oh my love, mpenzi wewe, roho yangu wewe, wako sikiwezi. Oh my love. Hasira zangu na vituliza, ukiongea na sikiliza, yote sababu ya upendo. Bili bili baby, vindi mchuvi ya kunyumiza, yani uroda kupitiliza, nimeumaliza mwendo. Nakupenda, Damani, nakupenda. Nakupenda, Maris Bélévi. En tout cas, j'aimerais bien apprendre cette langue. Oui. C'est aussi l'une des belles langues qui puisse exister dans le monde, le Swahili. Mm-hmm. Cette chanson a fait plaisir à Divine Matoka, qui nous suit depuis la commune de Lemba, Kanrich, quartier Kanrich. Cette chanson était dédiée à votre fiancé. Alors, cette chanson était pour vous. Merci de nous faire confiance et merci d'être branché sur Géopolis Télévision, votre tranche matinale. Wake up. Ce matin, nous parlerons de l'accès des femmes à la maternité, les coûts et les difficultés que rencontrent les femmes. Nous avons déjà pas mal de messages ici. Mais restez penchés, je crois que je lirai ces messages après. À un moment, je pourrai quand même lire ce message. Nous parlons de la femme d'Amani Mushinga, mais faudrait savoir aussi connaître c'est quoi la maternité. Exactement. Nous ne pouvons pas parler de la maternité sans pourtant connaître, sans pourtant savoir de quoi il s'agit. Quand on parle de maternité, on fait allusion à quoi? Oui, merci Maryse Bouléli. Le mot maternité, c'est un mot, je peux dire polysémique, qui a plusieurs sens, plusieurs définitions. S'il faudrait retenir ici, premièrement, la maternité, c'est l'état, la qualité d'une mère. Donc, quand on parle de maternité, on voit directement la maman, a donné vie, celle qui a donné naissance à des enfants, qui possède des enfants. Mm-hmm. Mais aussi, elle peut désigner une grossesse, une gestation. Donc, grossesse et gestation, c'est la même chose, ça désigne la même chose. Donc, le fait de porter un enfant dans son sein et d'accoucher. Mm-hmm. Et cela désigne aussi l'établissement, donc le bâtiment où les femmes
vont pour accoucher. C'est pourquoi on entend parler de maternité. À Kenaki, maternité Kobota. Kobota. Donc, maternité, c'est aussi cet établissement-là, ce bâtiment, qui est destiné à recevoir les femmes qui vont accoucher, à les assister lors de la naissance de leur enfant et lors des premiers jours du nourrisson aussi. Donc, mm-hmm. cet établissement est là pour aider les mamans à pouvoir prendre soin de leur bébé nourrisson pendant quelques jours et après, on va les leur remettre. Voilà ce qu'on peut retenir de ce mot maternité qu'on entend partout. Étymologiquement, prenez aussi le stylo, prenez le papier, vous allez aussi noter. Et pour ceux qui font le latin philo, surtout ça, vont se retrouver avec cette étymologie. Alors, du latin maternitas, ou encore mater, mm-hmm. ou matrice, qui veut simplement dire la mère. Oui. Donc, pas la mère de Zo, mais la mère de maman. Donc, le mot maternité, vous devriez aussi retenir que cela vient du latin. Mais étant donné que nous parlons de l'accès mm-hmm. à la maternité, mais il faudrait quand même essayer de parler aussi de la maternité ancestrale. Comment est-ce que ça se faisait? Puisque aujourd'hui, ce n'est pas la même façon dont on accouche. Par exemple, quand votre grand-mère elle a mis au monde votre maman, ce n'était pas la même façon. Alors, est-ce que vous pourriez quand même nous parler brièvement de comment est-ce que s'est passée la maternité dans l'ancien temps? Oui, Maryse Boulély, lors de la... À l'époque, oui. On faisait usage de la maternité ancestrale, vous l'avez dit. Mm-hmm. L'accouchement se faisait à domicile, oui. à la maison. Donc, la femme enceinte... lorsqu'elle était à terme, elle était sur le point d'accoucher. Il y avait une sage-femme qui venait à la maison. Sage-femme, c'est justement généralement, ce sont les femmes. Les femmes, bien oui. qu'avec l'évolution du monde, on voit aussi qu'il y a maintenant des hommes qui s'intéressent un peu en dehors du pays. Ça commence à se faire, mais généralement, ce sont des femmes. Alors, sage-femme, c'est une femme qui aide les femmes à pouvoir accoucher. Alors, ces femmes... se rendaient dans les domiciles pour pouvoir aider cette femme qui était à terme d'accoucher, de l'aider un peu. Et le seul souci avec l'accouchement ancestral, c'est qu'il y avait beaucoup de risques. Il y avait beaucoup de risques et on dit même qu'il y avait un tiers des femmes qui mouraient parce qu'il n'y avait pas toutes les dispositions prises pour pouvoir mm-hmm. Prendre en charge la maman ainsi que son bébé qui vient mm-hmm. de naître. Donc voilà ce qu'on peut retenir un peu de cet accouchement ancestral. Donc sachez que avant nos mamans n'allaient pas à l'hôpital, ils restaient à la maison, on appelle une sage-femme, elle vient à la maison et elle aide votre... Et parfois même quand la femme elle a déjà des contractions oui. et qu'elle est dans un village, la sage-femme peut se retrouver dans un autre village. Oui. Alors les temps d'appeler le trajet, pour qu'elle oui. arrive, oui, parfois même ça causait du tort. Mm-hmm. La femme sage pouvait arriver, trouvant peut-être les bébés décédés oui. ou la maman. Exactement. Et il y avait... Est-ce que dans l'ancien temps, c'est peut-être que ceux qui nous suivent aussi aimeraient savoir, mm-hmm. est-ce que les consultations prénatales se faisaient aussi? Pas du tout, Maryse Boulély. Cela oui. ne se faisait pas. On attendait juste que la femme arrive à terre, mais... Donc, on ne savait pas dans quelle position le bébé était. Voilà pourquoi il y avait beaucoup de cas de décès, comme je l'ai dit. Parce mm-hmm. que lorsqu'une grossesse, actuellement, on peut facilement détecter une grossesse à complications. Mm-hmm. Mais dans les temps, ce n'était pas ça. Dès que vous êtes enceinte, vous vous dites, oui, j'attends les 9 mois pour pouvoir pour avoir mon bébé. Oui. Donc, à l'époque, ce n'était vraiment pas les cas. Je dirais même que c'était une grâce que les gens puissent naître comme ça, sans pour autant avoir tous ces suivis-là pendant la période prénatale du bébé. Alors, j'ai un chiffre ici. Oui. Question de vous permettre de mieux comprendre. Sur 100 000 naissances, selon les estimations, sur 100 000 naissances, à l'ancien temps, ou à l'époque, sur 100 000 naissances, il y avait environ entre 500 à 700 décès. Donc, que ce soit du bébé ou peut-être de la femme. Donc, on avait vraiment un taux de mortalité maternelle élevé par rapport à cela. Alors, aujourd'hui, c'est la modernité. Mm-hmm. Aujourd'hui, nous voyons les hôpitaux. Oui.
aujourd'hui, nous voyons comment est-ce qu'une femme peut aller à l'hôpital. Mm-hmm. On voit quand même cette différence, cette grande différence. Oui. Mais est-ce que vous pouvez essayer d'épingler un tout petit peu par rapport aux différences qu'on retrouve maintenant par rapport à l'époque? Oui, Maryse Boleli, déjà avec l'évolution de la technologie, l'évolution de la médecine, on remarque que maintenant... les risques sont, les risques sont toujours là, mais ils ne sont plus comme c'en était le cas auparavant. Oui. De nos jours, la maternité se fait plus facilement puisqu'il y a maintenant les matériels adéquats pour aider la femme à bien accoucher. Donc l'enfant aussi peut naître prématuré parce qu'à l'époque l'enfant pouvait naître prématuré. On ne savait pas trop comment le garder, mais à présent, dans la maternité moderne, l'enfant peut naître prématuré. Il y a maintenant des moyens pour pouvoir garder cet enfant. On lui met dans une couveuse. Je sais que les mamans vont certainement se retrouver. La couveuse, en fait, c'est l'endroit où on garde le bébé au chaud jusqu'à ce qu'il atteigne... il atteigne ses 9 mois et qu'il atteigne un niveau, un point où il peut être rendu à sa mère parce que sa maman ne pourra pas gérer ce bébé qui est encore tout petit. Donc c'est maintenant les docteurs qui s'occupent de l'enfant et il est dans cette couveuse pour être protégé de toutes sortes de microbes aussi qui peuvent entourer notre air, notre environnement. Donc voilà. Voilà la couveuse en image. C'est ça la couveuse. Je pense que, comme j'ai dit, la plupart des mamans le savent déjà. Elles savent c'est quoi la couveuse. Mais aussi, il faudrait savoir, Maryse Boleli, qu'il existe la piqûre péridurale. La piqûre péridurale, l'injection, c'est une injection, donc une piqûre qu'on l'injecte aux mamans, à cette maman qui veut accoucher, pour pouvoir diminuer cette douleur. Parce qu'on dit que... accoucher, c'est pas du tout une chose facile, c'est une douleur qui peut être vraiment insupportable. Alors pour ces femmes qui n'y arrivent pas, il y a cette injection qu'on appelle au niveau de la colonne vertébrale. Voilà. Donc le monde a tellement évolué. Oui, voilà, on voit toutes ces évolutions là. Avant peut-être la femme pouvait mourir de douleur, elle pouvait mourir parce que elle pouvait pas s'en sortir et tout. Mais maintenant, grâce à la technologie, grâce à toute cette révolution dans la médecine, on sait voir maintenant qu'on peut facilement accoucher avec moins de risques qu'auparavant. Comme on l'a dit d'ailleurs auparavant, je voudrais dire aussi qu'il y avait beaucoup de cas d'hémorragie qui poussaient beaucoup de femmes vers la mort parce que les matériels qui étaient utilisés, est-ce que c'était vraiment stérilisé. Tel qu'il faut? Est-ce que c'était des matériels qu'il fallait vraiment? Donc, il y avait vraiment toutes ces complications. Mais maintenant, et parfois, même quand la femme n'arrivait pas à pousser ou à donner naissance à l'enfant par la voie basse ou la voie vaginale, comme on le dit, on ne pouvait pas exercer ce qu'on appelle le cas de césarienne. Césarienne, voilà. Mais alors que maintenant, grâce à la technologie, grâce à la modernité, une femme, il y a d'ailleurs des femmes qui préfèrent, qui se disent que moi, la voie basse, peut-être que je ne pourrai pas, peut-être que j'ai peur, je préfère qu'on fasse ce qu'on appelle la césarienne. Alors, nous allons parler, vu que nous parlons de coûts et difficultés, mais on aimerait quand même savoir combien est-ce que coûte la maternité ici en RDC. Est-ce qu'il y a un montant précis pour pouvoir aller à la maternité? Oui, Maryse Boleli, ici en République démocratique du Congo. Faudrait savoir que le prix varie entre 10 et 20 dollars et pour des naissances sans complications. Donc la femme elle accouche sans problème, donc ça peut aller de 10 à 20, mais quand ça devient une grossesse à complications, comme vous l'avez d'ailleurs dit, le cas de césarienne et autres, là ça peut demander 150 dollars. Donc on voit déjà que c'est quand même assez. Donc ça varie selon Les milieux aussi, selon les hôpitaux, je voulais dire d'ailleurs, ça varie selon les hôpitaux parce qu'il y a des hôpitaux publics et des hôpitaux privés. Donc chaque hôpital fixe en fonction de sa tendance, quoi. Donc si vous allez chez les privés, vous payez plus cher.
lorsque vous êtes chez l'État, ça coûte un peu plus moins cher, mais malgré que c'est quand même moins cher, c'est pas tout le monde qui a cette possibilité de pouvoir payer, étant donné que près de 60% de la population vit avec moins de 1 dollar mm-hmm. la journée. Alors on se demande, lorsqu'elle ira à l'hôpital, même pour atteindre ces 10 dollars là que certains peuvent considérer être minimes et tout, c'est quand même compliqué pour elle de payer ces 10 dollars, ces 20 dollars pour sortir de l'hôpital avec son enfant. Nous allons suivre cet élément, nous allons suivre cette vidéo pour pouvoir voir, nous allons voir comment est-ce que certaines femmes se retrouvent aussi dans cette situation. Tendresse entre mère et fille. Dans les bras de Sandrine, la petite Grâce, quelques mois à peine. La jeune maman de 26 ans a aujourd'hui le sourire. Pourtant, être ici, chez elle, entourée des siens, était loin d'être gagné. À la maternité de Touzolana, la naissance de Grâce se passe mal. Sandrine doit accoucher par césarienne. Une intervention pour laquelle la maternité lui réclame 300 dollars. Mais cet argent, Sandrine ne l'a pas, ni elle, ni personne de son entourage. La maternité refuse de la laisser partir. C'est le début d'une longue séquestration de 2 mois. Ma famille se débattait par tous les moyens pour réunir l'argent. Mais ils n'ont pas pu. C'était très dur. Aujourd'hui, c'est avec amertume que Sandrine retourne dans la petite maternité. Sa fille doit passer des examens de routine. Pour la première fois, la jeune maman ose retourner dans la chambre exiguë où elle a été retenue de force. Tout ici lui rappelle de mauvais souvenirs. Je voulais me suicider parce que mon compagnon m'a abandonnée en pleine grossesse. J'étais une prisonnière parce que je n'avais même pas droit aux visites. Et à chaque fois, le personnel médical se moquait de moi et disait « C'est ici que ton enfant fera ses premiers pas ?» Et moi, je ne faisais que pleurer. Sandrine est loin d'être la seule dans ce cas, mais à la maternité, on se dédouane. C'est la procédure, dit-on. Nous les retenons jusqu'à ce qu'ils trouvent les moyens de payer. C'est alors que nous les libérons. On a vu des cas dans d'autres hôpitaux où les femmes ont fui et ont laissé l'enfant. Ici, nous n'acceptons pas qu'elles sortent avec l'enfant. La solution vient finalement de la fondation Grâce Monde. Cette dernière prend en charge tous les frais de la jeune mère. Pour Sandrine, c'est alors une évidence. Son bébé s'appellera Grâce. Régulièrement, elle se rend dans les locaux de l'ONG. Un moment toujours chargé d'émotions pour Sandrine. Ici, elle retrouve le soutien qui lui manquait. Nous avions vu comment est-ce que l'une de ces dames congolaises qui a aussi traversé ces moments, ce moment très difficile, et nous rappelons que le coût varie selon les établissements. Les privés sont peut-être plus chers, peut-être parce que là, on donne à manger, le service est peut-être autre par rapport à ceux de l'État ou des hôpitaux publics. Mais il faudrait aussi retenir que parmi ces femmes, il y a une enquête, dans des enquêtes démographiques et de santé, qui rapporte que la proportion de femmes n'ayant pas de consultation prénatale est de plus de 30%. Donc il y a ces femmes qui se retrouvent tellement dans des situations compliquées, elles tombent enceintes, elles ne savent vraiment pas comment est-ce qu'elles doivent faire. Et parmi ces femmes, donc, il faut compter qu'il y a plus ou moins 30% de ces femmes qui ne se consultent pas. Alors que la consultation prénatale, elle est tellement importante. C'est à partir de la consultation prénatale ou des consultations prénatales qu'on saura que votre enfant a une malformation, que votre enfant a tel problème, que peut-être le battement de son cœur est à tes niveaux, ou peut-être que vous avez... L'enfant peut être mort aussi dans le ventre. Ou peut-être que vous développez une grossesse extra-utérine. Il y a tellement beaucoup de choses qu'on peut savoir grâce aux consultations prénatales. Mais par rapport à cette vidéo d'Amani Mushinga, quel constat ou quel commentaire pourriez rajouter? Oui, Maryse Boleli, ça fait très mal de voir de telles images, déjà de voir... une fille, une jeune fille, elle a son beau bébé entre ses mains, mais elle dit que le papa de la petite est parti, elle l'a abandonné. Elle a eu du mal lorsqu'elle a accouché, elle a eu du mal
à sortir de cet hôpital parce qu'elle était retenue faute de moyens. Oui. Elle ne savait pas comment payer. Donc c'est quelque chose qui est très courant ici à Kinshasa, je dirais, parce qu'en RDC en général, à Kinshasa en particulier, si on va dans plusieurs maternités, on va faire ce constat-là, qu'il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas sortir, qui sont retenues. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas cet argent. Et l'hôpital aussi sont obligés de les retenir. Pourquoi ? L'hôpital est censé tourner grâce à ses fonds, grâce à cet argent que les patients payent. Donc c'est vraiment très compliqué cette situation, étant donné que la femme, c'est elle qui donne la vie. La femme, c'est elle qui remplit ce devoir social qui est de donner naissance, parce qu'on le chante même dans notre hymne national. Oui. Nous peuplerons ton sol. Alors ces femmes sont là pour peupler le sol congolais, mais avec toutes ces difficultés, ça pose aussi vraiment un sérieux problème. Mais la plupart de ces femmes qu'on retrouve dans les hôpitaux, l'âge varie Oui, Maryse Boleli, par rapport à ces femmes, près de 30% sont des mineurs. Ok. Il faudrait savoir que 30% des grossesses ici dans notre pays, 30% sont des mineurs et généralement se retrouvent sans moyens lorsqu'ils vont accoucher. Et les garçons ou les hommes ont l'habitude de prendre la fuite, oui. De les abandonner à leur triste sort. Et quand on va au niveau de la famille, on voit aussi que la famille a des difficultés, éprouve des difficultés, alors ils ne peuvent pas se permettre de payer. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais peut-être parce qu'ils n'en ont pas, qu'ils ne peuvent pas assurer votre sortie à la maternité. Donc on voit vraiment cette, quand on voit 30% des mineurs, je dirais on voit quand même cette irresponsabilité aussi de la part de certaines jeunes filles. Vous savez peut-être que vous n'avez pas ce moyen-là d'entretenir ce bébé pendant toute cette période, mais vous le faites quand même. Et là, c'est quand même très compliqué, Maryse Boleli. Alors, j'ai un message ici qui nous vient de Gaylor. C'est Gaylor au carré. C'est Gaylor au carré, je ne sais pas pourquoi. C'est au carré, mais Gaylor demande, il dit, je demande la chanson de Félix Wazekwa, Libala, et merci pour ces thématiques. Alors, pour ces thématiques, il y a M. Gaylor au carré qui demande la chanson de Félix Wazekwa. Il y a aussi un autre message qui nous vient de... Oui, il y a « Salut, moi aussi, je vous suis depuis la commune de Kimbanseke à Mokali. Je demande la chanson de Maman Chabani, Bandanayo, to Bandanayo Kala. » C'est Benjamin Kassongo et Bête Thématique. Merci à vous, vous nous suivez depuis Mokali, Kimbanseke. Merci d'être branché. Et à Gaylor au carré, je crois que notre réalisateur Benny Fombo a noté les deux chansons. Il y a la chanson Libala de Félix Wazekwa et il y a aussi la chanson de Tobanda Nayo Kala de Maman Chabani. Mais il y a aussi un autre message qui nous vient de Benjamin. Nous avons aussi une Benjamin ici. Benjamin et Benjamin, ce matin. Il y a Benjamin qui dit « Bonjour, moi c'est Benjamin Miss J. » Miss J, merci. Nous vous suivons depuis la commune de Ngaliema, Upen. Merci à vous. Merci pour ces thématiques. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ces coûts et toutes ces difficultés liées à la maternité? Je crois que nous allons aussi répondre à cela. Bon, je reviendrai après pour prendre les autres messages. Mais Damani Mujinga, il y a ma demoiselle ou madame Benjamin, Miss J, je crois que c'est ma demoiselle parce qu'elle a dit Miss J, qui nous a posé cette question. Mais comment faire pour éviter d'atteindre ces difficultés? Y a-t-il des préventions? Est-ce que l'État peut quand même arranger ce côté-là? Est-ce que l'État prévoit quelque chose par rapport à la maternité? Oui, Maryse Boleli, il s'agit de Miss J, c'est vraiment Benjamin. Ce que j'ai pu retenir de son nom. Alors, Miss J, il faudrait savoir que les difficultés sont liées au manque de financement. Il faudrait savoir que l'État congolais couvre que 13% des frais sanitaires dans notre pays. Que 13% pour une population aussi abondante que la nôtre.
que la nôtre, pardon, c'est quand même très peu. 13%, c'est vraiment très peu. C'est ce qui fait en sorte qu'il y ait vraiment ce type de difficulté. Alors, le président de la République, je pense que c'était en décembre 2021, il avait parlé d'une couverture sanitaire universelle. Et dans cette couverture sanitaire universelle, faudrait que les femmes, dorénavant, commencent à accoucher gratuitement, sans pour autant donner quelque chose. Elle vient à la couche et elle sort sans problème. C'est justement pour éviter ces genres de complications, ces genres de difficultés. Mais on sent que c'est quand même difficile. Ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique. C'est tout un processus qui doit se faire pour pouvoir permettre à beaucoup de femmes d'avoir l'accès facile à la maternité. D'ailleurs, en parlant de l'accès à la maternité, il y a le Premier ministre Sam Maloukonde qui a inauguré la nouvelle maternité du centre hospitalier de Kisangani. Alors, c'était hier. Je crois que ceux qui sont connectés aussi sur Géopolis Forum, ils ont pu quand même avoir aussi cette information. Il y a, avec, grâce au journal papier, oui. il y a eu aussi Géo, oui, Géo Hebdo, voilà, en ligne, qui a pu publié un article, justement, comme vous l'aviez dit, oui, dans notre tabloïd. Parce que Géopolis, c'est pas seulement la télé, hein. C'est pas seulement la télé, c'est pas parce que vous nous voyez à la télé ici que Géopolis est constitué que de la télé, non. Géopolis est tout un groupe. Il y a Géopolis Télé, Géopolis Hebdo, Géopolis Magazine, oui, il y a Géopolis en ligne aussi. Donc, ça constitue tout cela. Alors, le numéro qui a paru ce matin, comme vous l'avez dit, le Premier ministre a inauguré une maternité à Kisangani, justement pour réduire le taux de mortalité et de morbidité materno-infantile. Donc, quand on dit materno-infantile, donc chez la mère et chez l'enfant, donc pour que l'accouchement se passe dans beaucoup plus de sécurité. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a-t-il d'autres préventions pour pouvoir éviter de se retrouver aussi dans ce cas? Oui. On ne veut pas que demain, vous ayez peut-être votre copain, votre homme, et vous vous retrouvez aussi dans la même situation, comme Madame Sandrine. Ça fait mal de voir que vous avez été retenue pendant 2 mois. Deux mois, donc, vous avez accouché et votre enfant totalise quand même 2 mois dans un centre de santé, oui, juste par manque de moyens. Elle a dit d'ailleurs tout à l'heure, il y a des infirmiers qui lui demandaient: mais toi, ton enfant va faire ses premiers pas ici à l'hôpital. Imaginez que vous entendiez de telles paroles. Ça, ça peut vraiment blesser, hein, vu les difficultés que vous pouvez traverser. Mais il y a aussi quand même, pour éviter toutes ces choses, c'est pas parce qu'on dit que la maternité doit devenir gratuite ici que cela va permettre à tout le monde d'accoucher et d'avoir 6 enfants, 10, 15 enfants. Voilà, il faudrait penser aussi un planning familial, Maryse Boleli, c'est ce qui tue beaucoup de couples ici dans notre pays. Pensez à un planning familial, c'est aussi important. Si vous voyez peut-être que vous n'avez pas assez de moyens, vous n'avez pas de quoi entretenir un grand nombre d'enfants, faites un planning familial, espacez surtout les naissances pour pas que cela vous déstabilise un peu financièrement. C'est comme je l'ai dit d'ailleurs, Maryse Boleli, 30% des personnes qui vont accoucher, des femmes qui vont accoucher, ce sont des femmes. Ce sont des femmes, Maryse Boleli. Je pense qu'on a un appel. On va laisser à nos téléspectateurs de s'exprimer. D'accord. Nous allons prendre cet appel. Faites aussi comme ces téléspectateurs, vous pouvez appeler pour pouvoir participer aussi à l'émission et à cette thématique qui parle de l'accès de femmes à la maternité, donc coûts et difficultés. Nous allons prendre cet appel, prenons cet appel et écoutons ce que ces téléspectateurs ou téléspectatrices dira. On va savoir. On va écouter sa voix, oui. Allô? Oui, allô, bonjour monsieur. Allô? Oui, bonjour monsieur, nous vous écoutons. Allô? Je
Je crois qu'il y a, un problème de connexion avec, avec le monsieur. Mais nous vous écoutons, monsieur. Oui, allô. Je crois qu'il est parti, mais on va prendre un autre appel. Mais avant de prendre, je crois que le monsieur rappelle quand même. Allô? Allô, monsieur, nous vous écoutons. Bonjour. Allô? Oh là là. Je crois que si ça complique, allô, vous pouvez simplement écrire. Vous... Nous pouvons aussi vous lire sans problème. Je vous attends parfaitement comme je peux le dire. D'accord. Nous sommes là pour vous lire. Si vous pensez que l'appel complique, nous pouvons aussi vous lire. Mais je pense qu'il est là avec nous maintenant. Allô Damani, allô Maryse, bonjour à vous. Bonjour à vous, monsieur. Comment vous allez? Oui, ça va, et vous-même? Oui, ça va très bien. Alors, je voudrais apporter par rapport à la thématique des jours. Oui. Parler certainement de... Et alors, il y a quelque chose que j'aimerais un peu épingler, c'est que aujourd'hui, lorsque nous parlons de la consultation prénatale, ça fait partie, bien sûr, de ces processus-là pour enfanter. Cette consultation, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, vous le savez très bien que ça coûte très cher. Et ça rend la tâche très dure à nos mamans et à nos jeunes qui partent de mettre au monde. Alors, ce que j'aurais souhaité, c'est que vous puissiez aussi interpeller un tout notre gouvernement, dans le sens où c'est que les femmes ne font que réaliser leur œuvre sociale. C'est par cette œuvre-là qu'elles sont appelées, donner naissance aux gens, pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, à travers les femmes. Et il faut protéger ces gens des personnes. Il faut leur quand même donner accès facile à ces soins et à moindre coût. Vous voyez, aujourd'hui, le coût est tellement élevé qu'on ne sait plus comment faire. Voilà. Alors, qu'il est parti. Oui, le monsieur. Il n'a même pas donné son nom, malheureusement. Malheureusement, mais il a quand même apporté aussi une petite lumière par rapport à ce que. Bon, un petit commentaire, un ajout par rapport à ce que le monsieur venait de dire. Damani Mujinga. Oui. Merci, Maryse Boleli. Je pense que le monsieur a raison, mais après, je dirais que ces hôpitaux privés n'ont vraiment pas le choix. Parce qu'eux aussi, ils ont des taxes qu'ils payent. Oui. Alors, ces montants qu'ils fixent en fonction aussi de toutes ces taxes. Moi, je pense que si l'État avait maximisé vraiment la construction des maternités pour prendre en charge beaucoup de femmes, on n'aurait pas assisté à ce problème-là, que malgré des personnes Donc, l'État va petit à petit, comme on l'a vu avec Kisangani. À Kisangani avec le Premier ministre qui est allé inaugurer une maternité. Si ce genre d'initiative vraiment devrait se faire dans presque toutes les provinces, surtout ici aussi dans la capitale, construire beaucoup de maternités, ça va épargner aussi que beaucoup des femmes aillent dépenser pour aller prendre des consultations prénatales dans des hôpitaux qui sont chers. C'est peut-être faute de choix. Ils n'ont vraiment pas le choix, c'est les seuls hôpitaux qui sont disponibles. Elles sentent qu'elles auront des soins de qualité, et ça aussi il faut en parler de soins de qualité, parce qu'il y a des hôpitaux qui sont assez négligents, qui font preuve de négligence. Alors beaucoup ont peur, par cette peur ils préfèrent aller où ceux qui ont le moyen aller où c'est quand même un peu cher pour avoir cette assurance-là. Mais pour ceux qui ont des difficultés aussi, je dirais même que l'État devrait maximiser la construction des maternités, et cela permettra aux femmes congolaises d'accoucher très facilement et sans problème. Nous allons suivre cette chanson et nous reviendrons pour
pour connaître, savoir aussi ce qu'il faut faire pour pouvoir éviter aussi d'arriver jusqu'à ce niveau, jusqu'à toutes ces difficultés. Alors, je crois que nous allons prendre la chanson de M. Gaylor au carré, qui a demandé la chanson de Félix Wazekwa, Libala, je crois que c'est ça. Il y a aussi un autre monsieur, M. Benjamin Kasongo, qui nous suit depuis la commune de Kimbanseke à Mokali, qui a aussi demandé la chanson de Maman Chabani, Tobanda Nayo Kala. Alors, nous allons suivre la chanson et nous reviendrons après pour pouvoir terminer cette thématique. Signaler, il y a un autre message. Il y a Monsieur Gaylor au carré qui s'est trompé. C'était pas Félix Wazekwa. On a essayé de chercher, on l'a pas trouvé. Il s'agissait de Redi Amissi. Cette chanson, je crois qu'elle vous a vraiment fait plaisir. Alors, je vais lire ces messages et nous allons chuter en prenant une dernière vidéo par rapport à la thématique. Bonjour WECAP, je voulais parler d'une expérience vécue par ma femme quand elle avait fait une fausse couche. Je crois que soyez tellement attentifs, le message est quand même long. Mais je crois que ça va nous apporter encore un plus. Quand l'accouchement ne se déroule pas comme prévu, même si chaque expérience d'accouchement est unique, les femmes enceintes sont souvent exposées à différents scénarios d'accouchement parfait. Très tôt, pendant la grossesse, les futures mères s'imaginent donc comme se passera la naissance de leur bébé. Elles tentent aussi de se préparer de leur mieux et veulent mettre toutes les chances de leur côté. Cependant, malgré tous ces efforts, l'accouchement ne se passe pas toujours comme prévu. En effet, très peu de femmes vivent l'accouchement qu'elles ont imaginé. La plupart du temps, ces moments tant attendus est aussi synonyme de douleur et de perte de contrôle. Lorsque la naissance ne se déroule pas comme prévu, la nouvelle mère peut ressentir
plusieurs émotions différentes. Bien sûr, elle sera probablement déçue et triste. Elle peut aussi ressentir de la colère et de la frustration. Elle tentera alors de comprendre pourquoi les événements ont mal tourné. Certaines mères peuvent se sentir responsables de ce qui s'est passé et penser avoir vécu un échec. Elles croient ne pas avoir été à la hauteur et ont l'impression de ne pas pouvoir vraiment vécu la naissance de leur bébé. Ces femmes préféreront peut-être ne pas reparler de l'événement. Elles pourraient alors garder ces émotions pour elles et ne pas oser en parler. Le soutien des proches et les faits qu'ils reconnaissent la perte vécue par la mère sont très importants. Oui. Ça, c'est vraiment à signaler et à épingler surtout. Je veux reprendre cette partie. Les soutiens de proches et le fait qu'ils reconnaissent la perte vécue par la mère sont très importants. Cependant, l'entourage de certaines mères n'est pas toujours compréhensif de cette douleur ou de leur douleur. Il s'agit de Monsieur Paul Bossa. Voilà. Merci. Très enrichissant, en tout cas. Merci pour ce partage d'expérience. Oui. Et je crois que ce qu'il faut vraiment retenir de ces messages, c'est qu'il ne faut pas être dur avec une femme. Un autre aspect de choses, Avec une femme qui est enceinte, vous ne savez pas ce que traverse, ce qu'elle ressent au fond d'elle, les douleurs, les envies, les caprices que peuvent avoir les grossesses sur les femmes. Vous devriez être là pour le soutenir, pour les aider. Nous allons prendre ce deuxième élément pour comprendre ce qu'il faut faire aussi parmi les solutions pour éviter de se retrouver aussi dans ces difficultés de manque de paiement, manque d'argent pour pouvoir accoucher normalement ou prendre soin de votre bébé. Je suis mère de 5 enfants. Avec mon premier mari, j'ai eu 3 enfants. Après la mort de ces derniers, je me suis remariée et j'ai eu 2 autres enfants, mais malheureusement, j'en ai perdu un. Le père m'a abandonnée alors que j'étais enceinte de mon dernier enfant. Cette situation m'a énormément perturbée car j'étais seule à préparer la naissance du bébé et à prendre soin des autres enfants. Compte tenu de cette difficulté, j'ai décidé de retourner auprès de ma mère qui est enseignante dans une école primaire. C'est d'ailleurs ma mère qui prend en charge la scolarité de ses petits-enfants ainsi que de leur nourriture. Mon petit commerce ne me permet pas de subvenir aux besoins de mes enfants. Depuis que j'utilise cette méthode contraceptive, je vague librement à mes occupations. Mes enfants grandissent et étudient normalement. Je ne ressens aucun effet secondaire. En tout cas, je suis en très bonne santé avec mes enfants. Mais je suis contente que durant 5 ans, je n'aurai aucune grossesse. Un temps pour m'occuper de mes affaires, car je vends de la braise devant la parcelle afin de subvenir aux besoins de mes enfants. Nous avions suivi la vidéo de la dame, madame, qui dit qu'il faut mettre aussi l'accent sur la planification et mettre aussi l'action sur les méthodes contraceptives. Cela vous aiderait aussi à mieux gérer. Alors, si vous avez le temps d'espacer les naissances, ça va vous permettre de pouvoir vous préparer aussi pour l'arrivée d'un autre bébé. Damani Mujinga, nous chutons déjà, nous tournons vers la fin de cette thématique. Vu le temps, c'est une très bonne thématique qu'on pourrait vraiment aborder en profondeur, aller un peu dans plusieurs sens. Mais faute de temps, nous devons déjà nous séparer dans peu de temps. Alors, vos derniers mots, un petit commentaire par rapport à cela. Voilà, merci beaucoup Maryse Bouléli. Nous l'avons suivi dans cette vidéo. On parle de planification familiale. Cela pourrait vous aider aussi à ne pas avoir des enfants en désordre. Vous saurez quand les faire et voilà à quel moment le faire, comme je l'ai dit précédemment. Nous avons dit ici sur ce plateau que 30% des femmes qui accouchent sont des mineurs. Des mineurs. Souvent n'ont pas assez de moyens dans leur famille et sont délaissées à leur triste sort. Donc, il y a un autre moyen pour pouvoir éviter cela, ce sont les méthodes contraceptives, la contraception. Cela pourrait aider aussi, si vous n'êtes pas prête à avoir des enfants. À enchaîner des grossesses. Enchaîner des grossesses où vous êtes dans une relation et autre.
pour pas, si vous savez que vous n'êtes pas en mesure d'assumer. D'assumer, oui. Prenez des méthodes contraceptives, ça va vous aider aussi et vous épargner d'être exposé à tous ces problèmes-là, à être ridiculisé aussi dans ce sens-là. Parce que là, vous n'êtes pas en mesure de payer, on se permet de vous traiter de tout le nom. Vous êtes devenue même prisonnière, comme on le dit. Vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas faire de mouvement et tout. Donc, c'est vraiment compliqué. Prenez des contraceptifs si vous sentez que vous n'êtes pas en mesure de vous contenir et autres. Prenez des contraceptifs, ça éviterait d'avoir des grossesses non désirées ou peut-être des grossesses désirées, mais qu'on ne peut pas, dont on ne peut pas prendre charge. Donc, c'est en fait ça, Maryse. Avoir un enfant, c'est comme faire un investissement. Mm-hmm. Avoir un enfant demande beaucoup. Avoir un enfant, ça demande beaucoup de choses. Ça demande de la force, ça demande des investissements, pas seulement financiers, mais mental aussi, spirituel aussi. Vous devrez être préparé mentalement à accueillir votre bébé. Vous devez être bien avec vous-même. Accepter le fait que tout va changer. Un bébé, quand il arrive, il change tout. Alors, est-ce que vous êtes la bonne question à poser, c'est est-ce que vous êtes prête à être maman? Est-ce que vous êtes prête à assumer les responsabilités? Et vous aussi les papas, mais est-ce que vous êtes prêt d'avoir un enfant ou d'assumer les responsabilités? Mm-hmm. Si vous n'êtes pas encore prêt, allez dans un centre de santé, allez à l'hôpital, consultez un médecin. Et le médecin pourra vous aider à choisir quelle méthode qui ira mieux avec votre santé, avec votre femme, et pour éviter toutes ces choses. Nous avons clôturé avec cette thématique. C'était à l'honneur de la femme. Et pour cet honneur, pourquoi n'est pas aussi souffler avec cette chanson, toujours à l'honneur de la femme, pour faire plaisir à toutes ces personnes et aussi pour faire plaisir à la personne qui nous a demandé. Je veux quand même relire pour ne pas oublier son nom. Il s'agit de Monsieur Benjamin Kasongo. Nous allons aussi suivre cette chanson. Et juste après, nous aurons la rubrique santé. Et pour finir, nous allons finir avec cette rubrique tant attendue de plusieurs, la rubrique Géo Bidey. Yeah.
Je crois que cette chanson a vraiment fait plaisir à notre téléspectateur, M. Benjamin Kasongo. Et nous avons aussi un message ici. Salut à vous. Salut Wake Up, j'espère que vous allez bien vraiment. Je vous aime beaucoup. J'en profite pour cette occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma grande sœur Tatiana Kitoko, que du bonheur pour elle. Il s'agit, c'est de la part de Arsène Kitoko. Arsène Kitoko, nous vous aimons aussi. Merci à vous. Beaucoup d'amour à vous aussi. Beaucoup d'amour à votre grande sœur aussi. Une longue vie, pourquoi pas. Et merci d'être toujours branchés et de nous suivre. Si nous sommes là, c'est aussi grâce à vous. Nous allons faire place à la rubrique santé. Et nous chuterons cette tranche matinale, 2 heures du temps avec vous. Mais quel bonheur! 2 heures de formation, d'information et de divertissement. Nous allons suivre la rubrique santé. La santé n'a pas de prix. Il faut savoir, vous devez être au courant de ce qu'il faut et de ce qu'il ne faut pas. Faisons place à la santé. Salut mes chéris, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, vous avez la santé, la paix du cœur. Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Il ne faut jamais baisser les bras, ok? Bienvenue sur ma chaîne. Alors mes chéris, aujourd'hui on va parler du quinqueliba. Qui connaît le quinqueliba? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Si ça vous intéresse, restez branchés jusqu'à la fin. Le quinqueliba est une plante d'origine d'Afrique de l'Ouest. Il est connu sous le nom scientifique de Compretum micratum. J'espère que je prononce bien. Il est principalement trouvé dans les pays suivants: Sénégal, Mali et Soudan. Il est considéré comme le remède le plus accessible qui soit. Le quinqueliba a des propriétés tonifiantes, ce qui fait qu'il est fortement conseillé aux jeûneurs. Il lutte aussi contre les problèmes d'estomac
à savoir la constipation chronique ou l'insuffisance biliaire. Le quinquelva est aussi un remède contre l'obésité en raison de sa forte teneur en flavonoïdes. Il permet de réguler la tension artérielle car il contient de la catéchine et du tannin. Deux substances réputées pour leurs propriétés hypotensives. Le quinquelva prévient et peut guérir le paludisme. C'est un anti-inflammatoire et un antibactérien. Le quinquelva possède des propriétés émétiques qui permettent l'épuration digestive. Il protège les cellules hépatiques. Il est l'une des plantes médicinales les plus utilisées pour le traitement des affections du foie. Vraiment, 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 mais je ne savais pas tout ça, les amis. Voilà, j'ai fait mes recherches et je viens partager avec vous. Vraiment, j'apprends beaucoup de quinquelva en même temps. Le quinquelva accélère la cicatrisation des plaies, lutte contre les diarrhées infectieuses. Voilà mes chéris, quelques bienfaits du quinquelva. Sincèrement dit, grâce à la vidéo que même je fais aujourd'hui pour partager avec vous, moi je ne savais pas que le quinquelva avait tous ses bienfaits. Voilà. Pour vous dire que j'ai fait des recherches, ben voilà, je ne sais pas tout. Voilà. Comment faut l'utiliser? Voilà. Vous allez prendre quelques feuilles. Là, moi, j'ai pris, je crois, une poignée et demie. Voilà. Vous allez bien laver, comme vous voyez sur la vidéo. Et vous allez faire bouillir. Voilà. Moi, je l'ai fait bouillir. Dès que ça bout, éteignez le feu. Laissez reposer et vous pouvez utiliser. D'accord? C'est agréable à boire. Ça a une bonne odeur. Voilà, mes amis. Je voulais partager ça avec vous. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai bien expliqué. Voilà, j'ai fait mes recherches et je viens partager ça avec vous. Voilà, voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous fais de gros bisous et bye bye. Mérite d'être célébré. Que soit ton gâteau, mérite d'être partagé. Que l'éternel t'accorde tous les vœux. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca. Aujourd'hui, c'est ton jour. Nous nous sommes décidés de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde est sans rang. Plaisir avec exactitude. Nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris. Poto Salomo l'amour. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus. Pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour. Nous nous sommes décidés de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde est sans rang. Plaisir avec exactitude. Nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes décidés de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde est sans rang. Plaisir avec exactitude. Nous mettons tout ensemble, nos cœurs y comprennent. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes décidés de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde est sans rang. Plaisir avec exactitude. Nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour.
une année de plus. Pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes des idées de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde est sans rang. Le dire avec exactitude. Nous mettons tout ensemble, nos cœurs et... Ah, n'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes des idées de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde est sans rang. Le dire avec exactitude. Nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris. Poto salomo l'amour. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde. Jour de paix, jour de gloire, ça mérite d'être célébré. Que soit ton gâteau, mérite d'être partagé. Le plateau aujourd'hui, il était féminin. Non, on a eu que des femmes. Et même pour la rubrique Géo Bidet, il n'y a eu que des femmes. Que des femmes et que des femmes. Heureux anniversaire à vous. Et heureux anniversaire précisément à toutes ces téléspectatrices qui nous suivent de partout. Et là, je vois Armanda Tamba, et qui est aussi l'une de nos téléspectatrices depuis la France, qui nous suit grâce à l'application TNF RDC. Heureux anniversaire à vous. Et heureux anniversaire aussi à Madame Angélique Ossiara Pomo. Heureux anniversaire à vous. À Madame Orline aussi. J'ai vu aussi Madame Laetitia, il y a eu aussi Madame Esther. Il n'y a eu que des dames et des belles dames aussi. Damani Mojinga, nous sommes à la fin de cette tranche matinale. Oui, Maryse Bolelli, je m'en vais souhaiter un heureux anniversaire à Madame Orline Amba, à cette grande dame qui nous a suivis tout au long de l'émission. Hier, j'ai eu une discussion avec elle. Elle m'a dit, moi, j'aime les grandes choses. Alors, ces grandes choses, je vous le souhaite, Madame Orline Amba, en cette journée qui marque votre venue ici sur Terre. Tous mes voeux de bonheur, en tout cas. Et quant à nos fidèles téléspectateurs, ils ont été nombreux à interagir avec nous aujourd'hui, à appeler par rapport à notre thématique. Nous vous remercions. Merci de toujours rester fidèle à cette tranche matinale, de rester toujours fidèle à Géopolis Télévision. Nous vous donnons rendez-vous aussi demain pour une prochaine émission avec Enoch Issei. Et surtout, ne partez pas comme ça. Il y a une vidéo du jour. Nous finissons toujours ces tranches matinales avec une vidéo. Et la vidéo d'aujourd'hui parle d'un homme de 35 ans, mais qui a un comportement de bébé. Alors, on ne sait pas, il est né comme ça, il a un comportement d'un enfant de 3 ans, mais il a 35 ans, est marié et père de 2 enfants. Nous allons comprendre c'est quoi cette étrange, cette étrange histoire qui se passe en Tanzanie, je crois. Et suivez cette vidéo. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir et on se retrouve à la prochaine. Restez branchés pour la grande édition du journal télévisé ce soir à 19h30 et on se retrouve demain avec Enoch Issei. Bye bye. La vie est un beau voyage qui doit être vécu pleinement chaque jour. Mais certaines personnes pensent que ce n'est pas le cas et que chacun définira toujours le mensonge en fonction de ce qu'il vit. Tegemea kwa haraka haraka kwamba mtu mzima kama hivi anaweza katamka sauti kama hiyo. Mara kwanza lazima ushtuke kidogo. Huyo anaongea nini nani? Asa hao watoto wanakuja nyumbani, mama. Tumemwona baba Baraka anaongea kama mtoto nzio. Anaongea kama anaongeaje? Quelle serait la vie d'un homme de 35 ans avec une voix et des caractères comme un bébé de 3 ans? Oui, incroyable, et cela semble impossible même en l'entendant. Mais aujourd'hui, c'est lui. Il s'appelle Liwag Anderson Mponda. Il est originaire de la Tanzanie. Rien n'y rend Anderson plus heureux que la crème et les bonbons. Sa femme dit que chaque fois qu'elle a de l'argent, c'est ce que son mari demande toujours pour aller acheter des bonbons.
Il est père de deux enfants. Sa femme est déterminée à l'aimer et à prendre soin de lui comme il est. Tous les habitants du village ont été surpris de voir un homme comme lui dans la vraie vie. Ils ont pensé qu'il faisait semblant, mais cela fait des années qu'il vit comme ça. On pourrait se demander comment c'est possible, quelle en est la cause, s'il est né comme ça ou c'est quelque chose qui lui est arrivé quand il était adulte. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus en Tanzanie, vous savez, la partie orientale de l'Afrique, après avoir entendu parler de lui. Nous l'avons trouvé à Telele, le district de Mbondi, dans la province de Songwe. Nous ne croyons pas non plus que cela était réel. Alors nous avons dû nous rendre dans ce village où il vit afin d'en savoir plus sur lui et raconter son histoire au monde entier. Nous avons été ravis de le rencontrer et il a eu la gentillesse de partager son histoire avec nous. Étonnamment, quand il était enfant, il n'avait pas une telle voix. Il avait une voix plus grosse et grave que tous les autres enfants de son âge. Et c'était un problème pour lui et en même temps pour tout le monde. Il n'aimait pas la façon dont il s'exprimait. Chaque fois qu'il parlait et jouait avec eux, ils étaient toujours effrayés, s'enfuyaient et s'éloignaient de lui, ce qui blessait Anderson à chaque fois. À cet effet, il a dû faire quelque chose. Il a commencé à s'entraîner et à forcer sa voix à parler comme eux, afin de pouvoir jouer avec eux, et cela a bien fonctionné. Il a continué à forcer sa voix pendant des jours, des semaines, des années, jusqu'à ce que cela soit irréversible. Il est arrivé un moment où il ne pouvait plus parler normalement. Sa voix s'est transformée en ceci et il n'avait plus du tout une voix normale. Évidemment, ce n'était pas seulement la voix qui avait un problème chez Anderson, mais aussi son comportement, car il se comporte comme un enfant de 3 ans alors qu'il en a 35. Il se bat toujours pour obtenir des bonbons et des ballons avec ses propres enfants et les autres enfants du quartier. Il dit que cela a fait de sa vie un désordre, parce que les gens se moquent toujours de lui partout où il va, et cela le blesse beaucoup. Il n'a jamais oublié le jour où il a voyagé avec son ami et où la nuit est tombée avant qu'il n'arrive à destination. Ils ont alors décidé de se rendre dans une maison voisine pour les aider et leur donner un endroit où passer la nuit. Puis il reprendra le voyage le lendemain matin. Anderson a toqué à la porte, mais dès qu'il a commencé à parler, ils se sont tous enfuis parce qu'ils n'avaient jamais vu un homme adulte parler comme un bébé. Ils l'ont traité de diable, ce qui lui fait encore beaucoup de mal. Anderson dit que dans sa vie, il déteste les gens qui lui font beaucoup de mal et aime ceux qui lui parlent et le font se sentir mieux. Voici Christina, sa femme, qui raconte qu'un soir, alors que les enfants rentraient de l'école, elle a entendu des rires à l'extérieur et a eu la curiosité d'aller voir ce qui se passait. Et c'est là...